Marie Mamère est l'une des figures montantes du service des sports de France Télévisions. La journaliste, nièce de l'ancien journaliste et homme politique Noël Mamère, sera au micro du magazine Tout le Sport sur France 2 durant toute la quinzaine de Roland Garros. Dans la famille Mamère, il y a Noël, célèbre homme politique du Parti écologiste Les Verts. L'homme à la célèbre moustache s'était présenté à la présidentielle de 2002, lors de laquelle il avait obtenu 5,25% des suffrages, le meilleur score jamais obtenu par un candidat écologiste dans ce scrutin. Avant cela, il avait embrassé une carrière de journaliste pour l'ORTF et Antenne 2, ancêtre de France 2. Il y a également Jean, le frère aîné. Célèbre figure du service des sports de France 2, couvrant notamment Roland Garros à partir de 1988, avant de s'éteindre d'un cancer foudroyant en 1995, à seulement 44 ans. Marie Mamère, la fille de Noël Mamère à la présentation de Tout le Sport pendant Roland Garros 2023. Si est-il la même voie professionnelle qu'a choisi d'embrasser Marie Mamère, fille de Jean Mamère, et qui ne cesse de prendre du galon sur la grille des programmes du groupe France Télévisions. Les téléspectateurs ont pu apercevoir l'ancienne assistante de direction dès 2019, pour prêter main forte à Nelson Montfort lors des interviews bord terrain du tournoi de tennis de Roland-Garros. Aperçue lors des Jeux Olympiques de Tokyo durant l'été 2021, la journaliste de 36 ans a démarré dans la foulée à la présentation de Tout le Sport. Un poste intermittent, en alternance avec ses consœurs Cécile Gray et Claire Vauquier-Fico, les vendredis et samedis. En parallèle, la troisième journaliste de la fratrie Mamère a continué à travailler sur les contenus du magazine Stade 2, pour couvrir l'actualité sportive de la semaine. Marie Mamère sur les traces de son père, Jean Mamère. Mais si est-il une nouvelle mission que le groupe France Télévisions a confiée à sa valeur montante? En compagnie encore une fois de Claire Vauquier-Fico, le binôme présentera le magazine Tout le Sport Roland Garros durant la quinzaine du tournoi. Au menu, réaction à chaud et meilleur moment de la journée sur la terre battue de Porte d'Auteuil. Un rendez-vous quotidien, du lundi au jeudi à partir de 20h45 et les vendredis et samedis à 20h10 sur France 3. Mamère à Roland Garros, comme un parfum de retour en arrière, du temps où c'était le défunt Jean au micro du service public pour parler de la balle jaune à la fin des années 1980. À lire aussi Prime Video, voici l'astuce pour voir gratuitement le documentaire Nadal Djokovic, duel à Roland Garros sur Amazon. On your